à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu auto-édité qui s'appelle The Fool's Compass Tarot. Donc, c'est en fait, la boussole du fou, en fait. Voilà, si on traduit en français. Donc, ça vient dans un petit coffret en toile de jute qui est beaucoup trop gros pour le jeu, franchement. Et puis en plus, la texture est tellement rêche que pour les cartes, c'est pas tip top. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je sais plus qui est la créatrice ou le créateur de ce jeu. Je sais pas. Ça vient d'Angleterre. En tout cas, le sachet vient d'Angleterre. Apparemment, c'est fait naturellement. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est comme ça au niveau de la texture. Je saurais plus vous dire le nom. Ce que je sais, c'est qu'il est plus édité. C'est un jeu qui est plus disponible. Et il est vraiment très très joli. Donc il est sur du carton un petit peu linen. Le dos, le voici, avec le soleil et la lune. Et bien sûr, cette boussole. Et vous allez voir, les illustrations sont vraiment sympas. Pour le coup, il n'y a pas de livret a priori. Je ne sais pas si à la base il y avait peut-être un PDF. Aucune idée. Pour le coup, il est très coloré et il y a beaucoup d'aquarelles. Donc ça donne un côté assez aérien, vaporeux. Donc la force était en 8, la justice en 11, un petit peu comme le Rider-Waite-Smith. Là, pour la mort, on a la transition, le nom a changé. Voilà. Ici aussi, c'est l'illumination, en fait, pour le jugement. Et le monde, c'est l'univers. Et donc, les mineurs, elles sont sympas aussi, les mineurs, je trouve. Elles sont assez originales. Avec une couleur qui prédomine. On a le triquel ici, qui est dessiné sur les coupes. Je trouve que les personnages, ils ont des visages bien sympas. En général, ils ont l'air bienveillants. Donc pour chaque suite, on va avoir une couleur qui prédomine, bien sûr. Ils ont toujours des grands yeux, les personnages. Et ça, je pense qu'il les rend sympathiques. Le vert hein, qui rappelle bien sûr la terre pour les pentacles. Donc voilà pour The Fool's Compass Tarot. La vidéo est très courte, hein. Je me rends compte que je suis passé assez vite, mais il n'y a pas de livre à présenter. Voilà, donc je vous ai montré les cartes. Si c'était trop rapide, n'hésitez pas à mettre pause hein, sur la vidéo pour pouvoir bien regarder les cartes une par une. En tout cas, bon, c'est un jeu qui est plus disponible a priori. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'il soit encore imprimé et vendu par le créateur ou la créatrice. Donc, c'est un jeu qui est rare, voilà, tout simplement. En tout cas, ma vidéo vous a peut-être permis de découvrir un jeu, s'il vous plaît et qu'un jour vous tombez dessus. Comme ça, au moins, vous connaîtrez le jeu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.